En attendant, je peux peut-être commencer petit à petit. Voilà, vous avez les consignes qui s'affichent. Déjà, pour vous remercier à tous une fois de plus de votre présence ce matin. Donc, je vois qu'il y a quelques fidèles de ce cycle de webinaires qui ont assisté à l'ensemble de la série et je les en remercie infiniment. Je vous souhaite la bienvenue donc au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français de Roumanie et je remercie, comme je l'ai fait à chaque fois, donc les principaux partenaires de ces échanges, de ces webinaires, nos ministères, les représentants du monde académique et de la société civile, du monde économique également, Business France qui nous a beaucoup appuyés, la Chambre de commerce franco-roumaine, ainsi que les sponsors de cet événement, Renault et Carrefour Roumanie. Alors, nous avons eu jusqu'à présent trois webinaires et nous sommes en fait aujourd'hui, logiquement au quatrième, mais surtout au dernier. Et nous allons à nouveau aborder cette question de la mobilité durable sous l'angle des transports publics, qui est finalement la chose la plus palpable, concrète en tant que citoyen, ou en tout cas une des choses les plus faciles à concevoir. C'est un webinaire qui s'inscrit vraiment dans le prolongement de ce qu'on a dit la semaine dernière, où la thématique était quelles alternatives possibles à la voiture individuelle, bon, la voiture thermique, puisque c'est quand même, on va dire aujourd'hui, le mode de transport dont on sait qu'il produit le plus de gaz à effet de serre. Et donc, il nous pose quand même un problème. Et là, on en vient en fait aux autres solutions qui sont celles en matière de transport urbain, transport en commun. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir effectivement nos villes, enfin deux villes jumelées qui sont avec nous, Cluj-Napoca et Nantes. Et comme le disait Monsieur Souditou, notre modérateur, elles vont pouvoir nous éclairer sur ce qu'elles font, sur ces questions-là. Et ce que je leur demanderai aussi, c'est de bien vouloir mentionner aussi l'aspect qui est peut-être le plus difficile, qui est celui de comment aider, au-delà de la mise en place des transports, mais comment aider aussi le changement des mentalités. Et c'est là vraiment qu'on est sur des questions qui sont un peu complexes. Et je leur ai dit, quand on s'est entretenu un petit peu, parce que c'est vrai que cette distance nous est quand même, continue à nous peser un petit peu, je leur ai dit, il faut vraiment réfléchir à cette question, parce que la pandémie aussi, on le voit, a conduit en réalité à freiner l'appétence que certaines personnes peuvent avoir pour les transports en commun, puisqu'on nous dit, ben, il faut garder ses distances. Et c'est vrai que finalement, quand on est dans sa voiture individuelle ou dans son transport individuel, et bien de fait, c'est beaucoup plus facile de garder ses distances. Bon. Mais là, nous sommes dans une série de webinaires où nous voulons effectivement prévoir le futur et la mobilité durable. Donc, on se place dans une perspective à moyen terme. Et puis, par ailleurs, ces questions de pandémie ont aussi amené des réponses tout à fait intéressantes en matière de mobilité. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Vous remercier encore une fois d'être là. Vous dire aussi que cette série de webinaires, d'abord, elle fera l'objet de petits comptes rendus que nous avons commencé à mettre en ligne sur nos réseaux sociaux. Regardez bien notamment le site de l'ambassade et le site de l'Institut français. Vous pouvez aussi les réécouter. Et voilà, et donc on aura une petite matière à penser, on pourrait dire en français, pour essayer de vous appuyer, quand je dis vous, en particulier les collectivités territoriales roumaines, et puis évidemment dans les échanges avec les collectivités territoriales françaises, pour vous appuyer à définir, à mettre en place, à élaborer les bonnes politiques publiques sur ces questions-là. Un dernier mot aussi pour vous dire que, comme je le disais tout à l'heure à Bogdan Souditou, on va essayer aussi de trouver un moyen de capitaliser sur ce réseau d'intéressés par cette thématique, de voir comment on peut continuer à aborder ces thématiques, peut-être effectivement de manière un petit peu différente, mais tout en restant sur les questions de ville durable, je pense.
Et puis les questions de changement climatique qui sont quand même aussi au cœur de ce qu'on peut porter nous en termes de politique d'influence ici en Roumanie. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de très bons échanges. Je voudrais juste vous dire que vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions qui sont ensuite traitées par Bogdan Sulitu. Donc soyez, sentez-vous libre de participer de cette manière-là. Et je vous souhaite donc encore une fois de très bons échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Il faut lancer les débats. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais la thématique elle est vraiment très liée à cette question. Je cite toujours l'ancien maire de Bogota, Enrique Peñalosa, qui disait que, et ensuite je passe en roman, un oraș dezvoltat nu este acela în care chiar și oamenii săraci își permit să cumpere și să folosească autoturisme personale, ci mai degrabă acela în care cei bogați folosesc transportul în comun. Cred că e un început bun de discuție, pentru că astăzi despre asta vrem să discutăm, despre tranziția de la mașina individuală la transportul în comun și despre modul în care autoritățile publice cu responsabilități în domeniu reușesc să inițieze planuri și să implementeze planuri de mobilitate durabilă în care să fie inclus și transportul public. Invitații webinarului de astăzi sunt domnul Ovidiu Câmpean, director pentru dezvoltare, serviciul de dezvoltare din cadrul primăriei Cluj-Napoca, omul cu strategia, cum se spune în primărie, omul care le știe, doamna Benedict Levionet, directoarea departamentului deplasări, mobilități de la Nantes Metropol, schimbăm un pic scara, dar rămânem în aceeași logică a administrației publice. Domnul Ștefan Roșanu, un reputat și excepțional consultant în materie de transport public, un activist și în momentul acesta un activist care își pune competențele în slujba administrației publice. Nu spun nimic mai mult, vă mulțumim tare mult pentru participare. Doamna Florence Giraud, manager de proiect în domeniul transportului public, la Centrul de Studii și Expertiză privind riscurile, mediul, mobilitatea și dezvoltarea, celebra instituție CEREMA, care produce în fiecare săptămână ghiduri, rapoarte, studii pe care le pune la dispoziție tuturor autorităților, tuturor cercetătorilor, universităților, administrațiilor publice și, prin amabilitate, unele dintre ele pot să fie teleșarje, deci pot să fie descărcate gratuit și le putem obține și noi. Mulțumim foarte mult pentru participare. Respectiv, domnul Alain de Camp, președintele ADE Transport. Despre toate aceste, despre fiecare dintre persoanele participante, invitați sunt persoane cu o foarte bună reputație profesională și ne simțim foarte onorați să fim împreună, dar nu vreau să lungesc mai mult. Aș vrea să înțeleg, din perspectiva autorităților publice locale, care sunt provocările și care sunt abordările. Ce s-a făcut, ce se poate face, care sunt lecțiile de învățat și de transmis, de multiplicat și pentru celelalte orașe. Înainte de a-i da cuvântul domnului Câmpeanu, am să-l citez, toți sunt cu primarii și cu citatul astăzi primarii, am să-l citesc pe primarul din Reșița, un campion al proiectelor de mobilitate, domnul Ioan Popa, care zice: dacă unele proiecte și planuri și măsuri în materie de mobilitate au funcționat foarte bine și nu numai, au funcționat foarte bine alte orașe, nu are rost să le reinventăm, ci doar trebuie să le aplicăm și să le adaptăm la specificul locului. Specificul locului, măsuri, provocări, vă invit, domnule Ovidiu Câmpean, să ne prezentați abordarea dumneavoastră, respectiv a municipiului pe care îl reprezentați. Je vous en prie. Merci beaucoup, Bogdan Souditou. Je veux aussi remercier l'Institut français pour organiser ce webinaire.
et aussi à nos amis et nos partenaires de ville de Nantes. On est Cluj-Napoca et Nantes, on est ville jumelée et on a des partenariats qu'on développe chaque année. Donc, j'ai préparé aussi une présentation support pour discuter plus en détail de notre stratégie de mobilité durable pour la ville de Cluj-Napoca. Je vais partager mon écran. Donc, on a parti depuis une stratégie de développement de la ville de Cluj-Napoca. Les facteurs stratégiques sont l'innovation, la participation et l'université. Mais le concept clé, c'est d'accroître la qualité de vie des citoyens. Donc, on a des directions stratégiques, la mobilité urbaine durable, Cluj-Napoca, la dimension de l'innovation, la dimension verte, mais aussi l'infrastructure éducationnelle et de santé, et la gouvernance participative, l'implication des citoyens dans le processus de décision au niveau de la ville. On a développé aussi un plan de mobilité urbaine durable. Maintenant, on est en train de le renouveler et d'avoir une vision pour la zone métropolitaine pour 2030 et aussi pour 2050. Cluj-Napoca a l'objectif de devenir une ville neutre du point de vue climatique et nous on veut s'aligner à la stratégie européenne de changement climatique. On a aussi une stratégie de transformation digitale et vous pouvez voir que la mobilité interconnectée est une des lignes directrices de cette stratégie. En ce qui concerne la mobilité urbaine durable, on a investi plus de 100 millions d'euros dans le renouvellement des moyens de transport public et on veut avoir le transport public 100% électrique et avec zéro émission de carbone jusqu'à 2028. Donc, on est la première ville de Roumanie qui a acheté des bus électriques. Maintenant, on a 41 bus électriques qui sont en circulation. Et ce projet a été financé par des fonds européens. Et aussi, on a financé le renouvellement des tramways dans la ville. On a acheté aussi 24 tramways tout à fait nouveaux et aussi des trolleybus, 50 trolleybus. Donc, j'ai dit 100 millions d'euros investis dans les moyens de transport public et on veut accroître la vitesse du transport public, donc on veut aménager des voies dédiées pour le transport public vers chaque quartier de la ville. Le transport public doit être une alternative viable à la voiture de chacun. Doit avoir un confort, mais aussi une rapidité dans la ville. On a aussi des projets intéressants, nouveaux, le transport public autonome, et on a un partenariat avec l'université technique. On a fini déjà une étape de
des offertes pour ce transport public autonome. On veut avoir la première ligne de transport public qui sera desservie par un shuttle autonome l'année prochaine. Et aussi, dans ce partenariat avec l'Université technique, on veut avoir aussi une flotte de transport public avec hydrogène. Un autre programme très important d'investissement dans la mobilité durable, c'est la ville piétonne. Donc, ce concept d'accroître l'espace et le confort pour les piétons dans la ville. Et on a des exemples dans la ville, beaucoup de projets et d'espaces publics qui avant étaient utilisés par les voitures. Et maintenant, on a un espace public de qualité utilisé par les citoyens. Donc, on a beaucoup d'exemples dans la ville d'un changement profond vers la mobilité urbaine durable. Et vous pouvez voir, par exemple, la rue Ferdinand au centre-ville. Et tous ces projets sont financés par des fonds européens. C'est une immense opportunité pour développer la ville à l'aide des fonds européens. Ici, vous avez d'autres exemples des rues qui sont transformées et sont offertes aux citoyens. On a utilisé aussi des concours internationaux. Organisé en partenariat avec l'Ordre des architectes de Roumanie. Et vous pouvez voir d'autres exemples dans la ville des rues et des espaces publics qui vont être transformés vers une mobilité durable. Ici, la rue de l'université, et vous pouvez voir ce projet va commencer l'année prochaine. De changer l'espace public au centre-ville. Aussi, ce programme de la ville piétonne, on va l'étendre aussi dans les quartiers de la ville. On a eu déjà une expérience, un projet pilote avec la rue Molnar Piuariu. La média roumaine a nommé cette street la première rue smart parce que on a utilisé des éléments de Smart City. En renouvelant l'espace public dans le quartier de Mărești de Cluj-Napoca. Et vous pouvez voir les enfants qui ont conquéri déjà l'espace public. Et ça signifie que l'espace public, c'est confortable et sûr pour l'utilisation de toutes les catégories des citoyens. Si des images. Comme j'ai dit déjà, donc on va étendre ce programme de la ville piétonne dans tous les quartiers de la ville. Et ici, vous avez des exemples de d'autres rues qu'on va aménager dans les années prochaines. Donc ici, des exemples, des images d'avant et puis d'après l'aménagement de l'espace public. Donc le troisième programme vers la mobilité durable, c'est d'étendre aussi les réseaux des voies pour les bicyclette pour le vélo. Et on va avoir des pistes cohérentes pour les vélos dans tous les quartiers et aussi au centre-ville. Et vous pouvez voir des exemples déjà des projets finis, mais aussi on a des projets en cours d'aménagement. On a aussi un système de bike sharing et on a d'application une application sur l'internet. Donc
qui peut être utilisé par les personnes qui utilisent le vélo dans la ville. Et on a plus de 2000 utilisations chaque jour de ce système. Aussi, on essaye d'avoir l'infrastructure pour le chargement électrique des bicyclettes et des scooters électriques. Mais aussi, on a des grands projets d'investissement dans la zone métropolitaine. Et ici, on a le train métropolitain et le métro. Donc, on va être la première ville hors Bucarest qui va avoir un métro financé par des fonds européens aussi. Un autre projet très important et stratégique pour la ville, c'est de renouveler, de réaménager la rivière et l'espace public limitrophe de la rive Someș. On va avoir la première rivière de Roumanie qui va avoir une stratégie intégrée de développement urbain, et on va créer un couloir vert de mobilité urbaine soutenable dans la zone métropolitaine ici à Cluj. Et vous verrez quelques exemples aussi des rues qui vont être réaménagées. Les citoyens vont bénéficier de plus d'espace public pour les piétons, pour les vélos. Un autre programme très important, c'est la ville verte. Et on nous propose d'avoir 100 hectares d'espace vert dans la ville et aussi de planter plus de 100 000 arbres jusqu'en 2030. Et ici aussi, vous avez des exemples. Déjà, on a commencé ce programme. Et bien sûr qu'on va orienter vers la mobilité durable aussi ces projets de créer de nouveaux espaces verts dans la ville. Aussi, on a des investissements dans des applications pour le transport public ou un système intelligent de management de trafic dans la ville et aussi des stations de chargement électrique, des bus, des vélos ou des scooters électriques. On utilise aussi des instruments de gouvernance participative pour ces projets de mobilité durable. Et ici, vous avez un exemple du Centre d'innovation et d'imagination civique. On présente tous les projets dans des débats avec des experts, des universitaires et des citoyens intéressés ou des membres de la société civile. Et cet instrument nous aide d'accroître la qualité des projets publics et des politiques publiques. On a, par exemple, on va dans les quartiers et on présente tous les projets. Et c'est un instrument vraiment utilisé par les citoyens. Et, nous, on pense que impliquer la communauté dans la décision de nos projets, c'est très important. Pendant la pandémie, on a eu aussi des événements comme ce webinaire utilisant la plateforme Zoom. Et on a vu que avec ces instruments, on peut atteindre un public différent et plus nombreux. J'ai déjà mentionné, on utilise beaucoup le partenariat avec l'Ordre des architectes de Roumanie. On lance beaucoup de concours internationaux de solutions. Et avec ce partenariat avec l'Ordre des architectes, on veut accroître la qualité de l'aménagement des espaces publics. Et à mon avis, c'est une bonne pratique qui doit être utilisée par plus de villes en Roumanie. On a été cette année aussi la capitale européenne
dans la finale de la capitale européenne d'innovation. On n'a pas gagné, mais on a été parmi les premiers civils d'Europe en ce qui concerne l'innovation. On est part aussi de réseaux au niveau européen. On est part de la City Science Initiative. Et ici, par exemple, on est le coordonnateur de la thème du domaine de mobilité soutenable, durable. Et à mon avis, c'est important de faire beaucoup d'échanges au niveau européen, des bonnes pratiques, des expériences en ce qui concerne nos problèmes et surtout la mobilité durable. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On voudrait vous remercier pour cette présentation. On va laisser les questions après la présentation de Madame Bénédicte Livionnet, car certaines questions sont pour toutes les deux en tant que représentants de l'administration publique. Je dois dévoiler que je suis très francophone et très francophile, je ne sais pas si ça c'est visible, mais d'autre côté que j'ai bénéficié d'une partie de mes études en France, à Angers, donc pas loin de Nantes, et ensuite une autre partie de mes études c'était à Strasbourg, à l'École nationale d'administration. Pourquoi j'ai fait cette introduction? Pour apprécier la manière française d'organiser l'apparat professionnel des collectivités territoriales, pas dans un organigramme classique, mais par thématique. Et je pense que c'est très important, car la même chose ponctuelle à Cluj, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a des directions qui s'occupent des projets, mais des projets thématiques. Donc, c'est pas une question, c'est transversal, mais d'autre côté, il y a une responsabilité très, très claire qui est montée même pour les citoyens, qui est évidenciée même pour les citoyens pour comprendre exactement quelles sont les priorités pour la ville, pour le maire, pour les élus, etc. Donc, si on a une direction stratégie à Cluj, ça veut dire que le visiteur, c'est très important pour Cluj. Je passe la parole à Madame Bénédicte Livionnet, la directrice du département mobilité de Nantes Métropole, pour nous présenter la situation toujours favorable et intéressante de ses côtés. Madame, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci pour cet échange, très intéressant en tout cas, et puis j'espère qu'on aura effectivement l'occasion de discuter après. En tout cas, je pense que ce confinement, même s'il est lourd, ça nous permet aussi d'avoir cette agilité, ce qui est intéressant, on ne perd pas beaucoup de temps et je pense que ça permet de multiplier ces échanges en tout cas. Donc merci pour l'initiative. Donc je vais vous partager aussi la présentation. Donc, du coup, je vais revenir un petit peu sur les mêmes éléments. Hein. Vous allez voir, du coup, c'est quand même assez similaire. Je n'ai pas noté de grosses différences entre nos deux territoires. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Nantes, pardon, voilà, donc c'est une ville de l'ouest de la France. Nantes Métropole, c'est 24 communes aujourd'hui, 650 000 habitants à peu près, sachant que la ville-centre, qui est la ville de Nantes, hein, représente à peu près 300 000 habitants et on a aujourd'hui 350 000 emplois sur le territoire. C'est ce qui effectivement caractérise ce territoire comme toutes les métropoles d'ailleurs de l'ouest de la France, hein, qui sont les métropoles les plus dynamiques en termes démographiques et en termes d'emplois. Ce qui fait qu'effectivement nous, dans les grands enjeux que l'on a opérés dans les années qui présentent et à venir, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne cette croissance démographique très très importante et très rapide. Alors, quelques chiffres clés sur la mobilité à Nantes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, mon propos va être beaucoup plus axé transport collectif d'ailleurs. Mais aujourd'hui, globalement, on a une soixantaine de lignes de transport. Ce qui caractérise Nantes, en tout cas, son réseau a été construit autour d'un réseau qu'on appelle structurant, qui est composé de 3 lignes de tramway et de 2 lignes de busway. Nos lignes de busway, ce sont des bus qui sont 100% en site propre. Donc, qui ont, j'ai envie de dire, une fréquence, une régularité identique à celle du tramway. Ce qui les différencie, c'est juste la capacité d'emport des véhicules, mais sinon on a la même fréquence que sur les busways que sur les tramways.
On a des lignes chronobus qui sont aussi des lignes de bus à haut niveau de service, mais qui elles ne sont pas 100% en site propre, qui ont des portions en site propre, là où on a des forces, on va dire, de circulation. On a aussi une étoile ferroviaire sur Nantes qui est structurée autour de 5 branches. Donc un réseau aujourd'hui d'ailleurs caractérisé en étoile, que ce soit le réseau ferroviaire ou le réseau de transport urbain, ce qui est une des limites de notre réseau de transport collectif, avec le souhait, on y reviendra, mais d'évoluer plus sur un réseau qu'on appelle en toile d'araignée. On a eu aussi une forte politique de développement des parkings relais, j'y reviendrai. On en a aujourd'hui 62 qui représentent un peu plus de 9000 places en accompagnement de notre réseau de transport collectif. On a à peu près aussi le même nombre de parcs de stationnement dans la ville. Sur notre réseau cyclable, c'est environ 600 km de réseau cyclable, avec aussi un service de vélo en libre-service, un service d'autopartage, des aires de covoiturage. Et puis, une des caractéristiques de Nantes, donc c'est vrai, j'en parle pas après, mais on a mis en place dans le centre-ville de Nantes une zone à trafic limité qui nous permet de fortement réguler la circulation, puisque dans ce centre-ville, aujourd'hui, seuls les habitants et les professionnels qui ont à aller à l'intérieur du centre-ville ont accès. Cet accès en voiture est interdit à tous les autres. Donc, c'est vrai que ça a permis de fortement réduire la place de la voiture dans ce centre-ville, sachant que ce centre-ville, c'est l'endroit où on a le plus d'offres alternatives à la voiture, que ce soit des transports collectifs, des vélos en libre-service ou de l'autopartage. Alors, notre stratégie, de la même façon, elle s'appuie sur le plan de développement urbain. Donc, nous, par contre, on vient de l'actualiser, puisqu'il a été voté fin 2018, et donc là, il porte jusqu'à fin 2027. Globalement, je le disais, on a une forte dynamique, donc un fort accroissement à la fois de la population, mais également du nombre de déplacements. On constate toujours, notre dernière enquête ménage date de 2015, mais toujours une augmentation du nombre de déplacements. On est presque à 4 déplacements par jour et par habitant, ce qui nous fait globalement presque 2,4 millions déplacements par jour sur la métropole. Alors, nos objectifs, c'est effectivement l'ambition, c'est de réduire clairement la part de la voiture individuelle, donc avec un objectif de passer de 43% en 2015 à 27% en 2030, au bénéfice des modes actifs d'abord, que ce soit le vélo et le piéton, puis du transport collectif, sachant qu'on est déjà à 15% de part modale sur les transports collectifs, et donc au regard de l'évolution de la démographie qu'on observe, on serait à l'horizon 2030 qu'à 16%. Alors c'est qu'un point, c'est beaucoup en volume, mais c'est qu'un point en part modale. Alors, on a 4 grands axes en fait d'intervention pour arriver à cet objectif. D'abord, des services effectivement performants. Donc, ce sont essentiellement les services de transport collectif. Je vais y revenir tout à l'heure. Comment est-ce qu'on assure leur régularité, leur performance pour assurer leur attractivité? Mais également le développement d'une ville apaisée, d'une ville des courtes distances, avec effectivement le déploiement d'aménagements, que ce soit pour les piétons et pour les cyclistes, dans, j'ai envie de dire, la même veine de ce qu'a présenté Cluj précédemment, avec la mise en place actuellement d'un schéma structurant des itinéraires cyclables pour identifier quels sont... Alors, on a commencé à en mettre en œuvre un certain nombre, mais on souhaite effectivement identifier des axes structurants, probablement faire aussi des lignes de vélo pour que, effectivement, comme des lignes de bus, en fait, ces lignes de vélo soient clairement identifiées pour qu'on ait presque ce qu'on peut appeler des autoroutes à vélo. Pas complètement, c'est pas le... Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on veut les appeler, mais en tout cas, c'est vraiment de dire le vélo, c'est aussi un mode de transport efficace, y compris pour des déplacements qui aujourd'hui sont un peu plus longs qu'avant avec l'avènement des vélos électriques. Et puis un fort déploiement de la ville apaisée, là du coup dans la période, pendant cet été, la ville de Nantes, on a développé la ville à 30 km/h sur l'ensemble de la ville de Nantes, à part quelques axes qu'on a laissés à 50 pour la régularité justement de nos transports collectifs, mais là du coup on a franchi un cap important. Une métropole facile et connectée, là c'est tout l'enjeu pour nous de faciliter le parcours de l'usager. Je vais y revenir après, mais c'est vrai qu'en corollaire du développement des transports, vraiment l'idée c'est de développer la facilité d'accès, alors que ce soit par l'accessibilité PMR dans un premier temps, mais également par l'intermodalité qui doit être facilitée, notamment au niveau des pôles d'échange, mais aussi via une billettique intégrée, le développement d'un MaaS.
Voilà un petit peu un certain nombre d'exemples. Et puis le dernier pan qui a été impulsé par un grand débat qu'on a eu, parce que c'est vrai qu'il y a aussi dans notre métropole une grosse culture du dialogue citoyen et de la concertation. D'ailleurs, effectivement, on a remporté le prix de l'innovation là, qui a été évoqué tout à l'heure par Clouge. C'est vrai que c'est fortement inscrit, j'ai envie de dire, dans les modes de faire sur la métropole. Et il y a eu un grand débat, notamment, il y en a eu deux, hein, même trois dans le mandat dernier, un sur la Loire, pour réutiliser la Loire, qui, du coup, a clairement débouché sur la mise en place, alors sur le volet mobilité, hein, une nouvelle navette fluviale. On avait déjà eu une navette fluviale, on a mis une autre sur la Loire. On en a encore trois autres en projet pour ce mandat-là. Et puis, on a lancé aussi un appel à projet auprès des acteurs privés du territoire, en fait, hein, pour que les accompagner dans la mise en œuvre de projets qui aident à la mobilité sur la Loire. Et puis, l'autre grand volet, c'est celui de la transition énergétique qui a été évoqué. On a eu aussi là un grand débat citoyen sur le sujet et sur le volet de la mobilité, entre autres. Il y a eu une action forte qui est remontée sur ce qu'on a appelé l'usage collectif de la voiture. Et donc, je vais en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a une offre de covoiturage qui est complètement intégrée à notre offre de transport collectif. En disant, effectivement, les réseaux de transport collectif, ils ne peuvent pas desservir tout le territoire et notamment les territoires moins denses. Hein, j'ai dit 24 communes. Dans ces 24 communes, on a aussi des petites communes de quelques milliers d'habitants. Et donc, l'idée, c'est que sur ces communes, on puisse également développer un service de transport collectif qui est le covoiturage. En disant, à partir du moment où vous êtes au moins deux dans votre voiture, c'est un transport collectif. Et donc, je vais y revenir, mais vous avez le droit aux mêmes avantages que les transports collectifs. Alors, sur le réseau de transport collectif, voilà, hein, je ne vais pas le donner en détail, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez en gris le réseau existant, et vous voyez bien que tout converge aujourd'hui vers ce nœud central qui est, j'ai envie de dire, le cœur de la métropole, hein, la place du commerce, pour ceux qui connaissent. Et donc, on a effectivement une certaine fragilité sur cette organisation, puisque bah, quand il y a un problème à ce niveau-là, notre réseau est vite congestionné. Donc, tout ce qu'on fait a vocation à la fois à créer, en fait, hein, ce que vous voyez là, des lignes de rocade, en fait, hein, pour avoir cette forme de toile d'araignée à terme, et puis également à étendre le plus loin possible notre réseau. Et donc, en fait, vous avez là en gris le périphérique nantais, donc qui est l'infrastructure routière, hein, qui fait le tour de Nantes, et vous voyez qu'aussi tous nos projets nouveaux ont tendance à sortir, en fait, ou à aller toucher, en fait, ce périphérique, et à chaque fois à créer des parcs relais en disant... En fait, le principe, c'est que toutes les personnes qui viennent de l'extérieur puissent s'arrêter à ce niveau-là, prendre les transports collectifs à ce moment-là, pour faire en sorte qu'effectivement, à l'intérieur de ce périphérique, on décongestionne et on réduise fortement la part de la voiture. Sur le covoiturage, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on a actuellement en cours, hein, une étude qui porte sur quatre lignes, ce sont ce que vous voyez en rose, hein, donc sur quatre grandes pénétrantes de la métropole. On est en train d'étudier la mise en place de voies dédiées au covoiturage. Donc la première va être réalisée en 2021 sur cet axe ici à l'est de la métropole. En parallèle, on lance en fait l'élaboration d'un schéma directeur du covoiturage qu'on va lancer d'ailleurs à une échelle supramétropolitaine. Enfin, c'est notre souhait, j'espère qu'on va y réussir. Mais l'idée, c'est de le travailler carrément à l'échelle de l'aire urbaine, en coopération avec les autres autorités organisatrices qui sont autour de Nantes. Parce qu'en fait, effectivement, je l'ai dit, hein, l'enjeu de la voiture, il est quand même fort sur tous les territoires moins urbains. Et donc, on a vraiment intérêt à ce qu'on a fait sur la métropole, c'est-à-dire à considérer que le covoiturage, c'est du transport collectif, à le faire à cette échelle-là si on veut un effet de masse suffisamment important. Voilà pour le sujet du covoiturage, je vais revenir après sur les aspects plus services. Et puis, je le disais tout à l'heure, je vais revenir aussi un petit peu plus en détail, mais on a un certain nombre d'actions qui sont là pour faire changer les comportements en accompagnement, effectivement, des infrastructures. Donc, je reviens sur quelques-unes des actions un peu plus en détail. Sur, justement, comment faire changer les comportements, on a voulu passer un cap, en fait. Hein, jusqu'à
jusqu'à l'année dernière, en fait, un service qui était chez moi qui s'en occupait, mais c'était deux personnes, alors donc du coup avec des moyens limités. Et donc pour accélérer, j'ai envie de dire, la coordination des services et justement la facilité d'accès à l'ensemble des services de mobilité, on a confié à la CEMITAN, hein, qui est la SEM à la métropole qui s'occupe de l'exploitation du réseau de transport collectif, une mission complémentaire de coordination de la mobilité. Et donc, du coup, elle a pour objectif d'animer des dispositifs métropolitains, je vais en citer quelques-uns après, hein, mais qu'on peut avoir, de coordonner l'ensemble des offres, de ne donner qu'un accès intégré à différentes offres, c'est-à-dire que notre SEM, elle porte les transports, mais on a aussi des services privés ou d'autres SEM qui portent, par exemple, le stationnement, les vélos en libre-service, l'autopartage. Et l'idée, c'est bien qu'on ait qu'un accès, alors que ce soit via un site internet, via une appli, via une billettique, voire des combinaisons tarifaires des différents services. Et donc, elle porte tout ce travail-là avec effectivement un objectif, hein, de mettre en place un MAS dans le mandat qui vient de démarrer en France, là, du coup, dans les années à venir. Et puis, elle a aussi pour vocation de renforcer des actions d'accompagnement au changement de comportement qu'on peut mener. Donc, je vais en présenter certaines. Donc, par exemple, là, je l'évoquais tout à l'heure, hein, la mise en place d'une offre intégrée sur le covoiturage, c'est-à-dire qu'avec la carte de transport que vous avez aujourd'hui sous les yeux, vous avez accès au covoiturage. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, si vous avez un abonnement, par exemple, un abonnement annuel, vous pouvez avoir droit à du covoiturage gratuitement avec cet abonnement. Si vous avez un abonnement sur mesure, ce qu'on appelle sur mesure, c'est que vous payez au trajet, vous avez effectivement le tarif préférentiel du transport collectif, quel que soit le kilométrage que vous fassiez en covoiturage à l'intérieur. Et de la même façon, on dédommage aussi les conducteurs. Donc voilà pour illustrer sur la question du covoiturage, mais c'est pareil sur d'autres services, l'intégration finalement de l'ensemble des services de mobilité. On mène aussi des actions auprès des entreprises, par exemple, pour pouvoir effectivement les inciter à changer de comportement et qu'elles soient auprès de leurs salariés, finalement, le relais de tout ce qu'on peut faire auprès d'eux. Donc, on a pour ça trois packs qui sont proposés aux entreprises. On a aujourd'hui 700 entreprises, hein, qui ont accéder à ces packs qui représentent quand même plus de 100 000 salariés. Alors un premier pack qui est juste de l'information, des actualités, des réductions tarifaires qu'on propose à ces salariés. Un deuxième sur lesquels on les accompagne à organiser des événements, alors ça peut être des challenges ou autre chose, hein, pour inciter leurs agents à changer de comportement. Et puis un autre pack où là on fait également pour eux des études, notamment, hein, c'est souvent des études domicile-travail pour voir où habitent leurs salariés et quels sont les meilleurs moyens de déplacement qu'ils peuvent mettre en place pour leurs salariés. On a la même chose, là j'ai développé pour les entreprises, mais sur les scolaires. On a un dispositif qu'on appelle écomobilité scolaire, où là on accompagne, c'est pareil, école par école, en fait, en lien avec les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs de l'école. On fait un diagnostic partagé de justement c'est quoi les pratiques de mobilité à l'échelle de l'école et quels sont les leviers à utiliser pour faire changer les comportements. Et là, à la fois, on réalise des aménagements aux abords des écoles ou même dans les écoles, par exemple, pour du stationnement, vélo, trottinette, mais également, on fait des actions de sensibilisation des parents pour accélérer ces changements de comportement. Ça, c'était plutôt sur le volet, j'ai envie de dire, comportemental. Peut-être aussi en complément, avant de passer aux infrastructures, on réalise aussi, j'ai parlé tout à l'heure des associations, hein, on a un collectif d'associations et d'usagers avec lequel on travaille plus particulièrement et sur lesquels on peut aborder un certain nombre de sujets. J'ai évoqué la ville apaisée tout à l'heure. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a travaillé, par exemple, très concrètement avec eux. Ils ont produit, par exemple, des panneaux. Ils ont produit aussi une méthode qu'aujourd'hui, on utilise. Qui est d'ailleurs plutôt de dire, plutôt que de faire des petits bouts de ville apaisée, mettons, j'ai envie de dire, une ville complètement à 30 d'un coup, c'est ce qu'on a fait sur la ville de Nantes. Et c'est après, quand on évalue rue par rue, secteur par secteur, qu'on vient refaire ponctuellement des aménagements
pour que cette mise à 30 soit acceptée, mais que finalement l'aménagement n'était pas nécessaire et en tout cas n'était pas un prérequis pour passer la ville à 30, mais qu'il fallait bien sûr accompagner cela d'actions de sensibilisation, d'information, de communication pour faire opérer ce passage à 30. Donc on travaille comme ça avec eux, aussi on a mis en place un pack par exemple pour les étudiants, spécifique pour les étudiants vis-à-vis du vélo, en fait pour les accompagner au passage à l'utilisation du vélo. Et puis peut-être plutôt sur les transports collectifs, quelques projets alors en cours ou à venir. Ce qui va, je ne vais pas tout citer, mais ce qui va nous occuper grandement dans ce mandat, c'est effectivement la création de 3 nouvelles lignes de tramway. Alors ce qui se caractérise par ces nouvelles infrastructures, mais qui nous permettent en fait de créer des nouvelles lignes qui vont aller de l'ouest au sud et de l'est au sud, et puis une ligne est-ouest sur l'île de Nantes. Alors on a un nouveau CHU qui va se créer sur cette île. Mais du coup, ça c'est un des gros projets de ce mandat. Et puis aussi la poursuite de l'extension. On a aujourd'hui 2 lignes de tramway, une ici et l'autre ici. Et en fait, on travaille à la connexion de ces 2 lignes de tramway. Donc on va franchir pendant ce mandat à la fois l'Erdre, qui est un cours d'eau, et le périphérique. Toujours dans cette logique pour créer un P plus R à l'extérieur du périphérique et faire en sorte de rabattre les habitants, notamment métropolitain, mais aussi extra-métropolitain, le plus en amont possible. Voilà quelques exemples. Et puis, du coup, effectivement, là, on vient de lancer la commande de nouvelles lignes de tramway, donc 46 dans un premier temps, mais dans l'idée d'en commander d'autres complémentaires dans les années à venir, donc pour un montant de 234 millions d'euros. On a été effectivement la première ville à réintroduire le tramway, donc on est en train de renouveler du coup ces premières lignes de tramway. Il y en a déjà 26 de ces premières lignes qui arrivent en fin de vie, donc il nous faut les renouveler. Et puis en fait, on en profite pour augmenter la longueur. On aura des trams de 48 mètres qui pourront accueillir jusqu'à 300 passagers, et donc augmenter la capacité de nos rames pour justement accueillir tous ces nouveaux usagers. Je m'excuse, je suis le gardien du temps. Pardon. Et j'ai l'impression que vous êtes qu'à la moitié de la présentation, sinon, oh non. Non, il me reste une diapo, je crois. Donc, je vous remercie. Ah bon. Alors, on voudrait tout savoir, mais le temps, il n'est pas toujours... Et j'ai, oui. J'ai des questions pour vous en plus. D'accord. Donc, du coup, sur ces nouveaux tramways qui ont fait aussi l'objet, on a travaillé de design avec les habitants. Et puis, le dernier projet sur lequel, effectivement, je voulais juste revenir, c'est la mise en place d'un nouveau busway. Du coup, la mise en place du busway électrique, qui était une première mondiale, c'est un busway de 24 mètres en fait, électrique, avec des recharges en station, qui a été mis en place l'année dernière. Voilà, j'en ai fini. Je voudrais remercier, c'est vraiment très très passionnante et très, très importante, surtout que si on passe... Dernière fois, quand je passais par Nantes, c'était il y a 5 ans, et les choses ont changé tellement qu'on ne me reconnaît pas la ville dans ce point de vue. J'ai une question pour les deux intervenants, et je voudrais vous poser cette question, et ensuite une question pour chacun. Une question générale, c'est quels ont été les éléments les plus difficiles de la part des citoyens qui ont été acceptés ou non acceptés par les citoyens dans vos projets liés à la mobilité et au changement du paradigme du transport individuel. Comment cette culture citoyenne de l'automobile individuelle a été remplacée par cette nouvelle pratique? Et donc, ça, c'est la question pour tous les deux. Et ensuite, une question individuelle pour chacun. Monsieur Campano, vous avez une question de la part du public en ce qui concerne la demande des vélos dans votre programme de bike sharing. Si pendant l'hiver, vous avez senti qu'il y a une baisse de la demande de la pratique et si vous avez des solutions alternatives. Et pour Madame Lévionnet, une question double, si vous voulez. D'un côté,
comment pour les écoles, comment il y a des programmes spéciaux, vous avez des programmes d'éducation spéciale pour les écoles, les écoliers, mais aussi les parents pour dans cette partie de la mobilité. Et la deuxième partie de la question individuelle, quelle est la relation entre les plans de mobilité de Nantes Métropole et comment les collectivités, les élus chacun des 24 communes acceptent et intègrent dans leur PLU cette direction de mobilité imposée par la Nantes Métropole. Donc, oui, si vous. Ok. Donc du coup, alors les éléments les plus difficiles sur la place de la voiture, bon, c'est toujours le cas. Ce qui est le plus difficile à accepter, c'est la contrainte, il faut dire les choses. Mais c'est aussi le meilleur levier qu'on ait. À un moment, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. La contrainte est forcément compliquée et d'un autre côté, c'est ce qui fait bouger les choses. Donc, peut-être que parler d'une expérience récente, puisqu'en fait on a fait beaucoup d'urbanisme tactique là, en sortie du confinement, donc avec effectivement une place forte prise sur la voiture au bénéfice des modes actifs, donc du vélo et du piéton. Et on a un cas actuellement sur une des grosses pénétrantes, hein, on a réduit de moitié la capacité pour entrer. Effectivement, on a des tensions. Et bien, comment est-ce qu'on la régule? On la régule par la concertation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait cet urbanisme tactique. Eh bien, et là, on l'évalue a posteriori, ce qui n'est pas normalement dans la façon de faire de la métropole, où on concerte beaucoup en amont et on fait après. Là, l'urgence sanitaire nous a amené à le faire tout de suite aux sorties du confinement, donc sans aucune concertation. Et c'est vrai que cette évaluation qu'on fait maintenant, elle est vraiment intéressante parce que justement, on croise les points de vue. C'est-à-dire qu'on entend ces réticences, mais qui ne concernent finalement que certains. C'est-à-dire qu'elles ne concernent que quelques automobilistes. Et en face, on a effectivement des cyclistes, des piétons qui, eux, sont satisfaits. Et c'est bien le mélange des uns et des autres qui fait qu'on arrive à faire évoluer les mentalités. On a la même chose avec les commerçants, hein, qui sont pareil, souvent ceux qui réagissent le plus finalement, ce sont souvent les commerçants en disant bah, venir, vous supprimez du stationnement, parce que pour gagner de la place sur l'espace public, on supprime du stationnement en général. Du coup, on arrive quand même à objectiver les choses. C'est-à-dire quand on a mis en place la ZTL, on avait ces réactions et on a pu démontrer que effectivement les chiffres d'affaires des commerçants n'ont pas baissé, alors même que les gens ne viennent plus en voiture. Donc voilà, c'est à la fois par l'exemple et la concertation qu'on arrive du coup à changer de paradigme doucement. Puis je pense que la période qu'on vit nous aide aussi. Il y a une vraie prise de conscience, hein, qui s'accélère. Pour la question sur les vélos et les écoliers et les parents. Ouais. Donc sur les écoles, alors on fait des cours, hein, effectivement, alors avec des associations, on travaille beaucoup avec les associations locales, hein, des cours d'apprentissage du vélo en ville. Donc il y en a fait aussi par certaines communes dans les écoles et il y en a aussi qui sont faits par les parents dehors. Par contre, ce n'est pas encore généralisé comme nous y oblige la loi maintenant. Hein, il y a une nouvelle loi qui est passée, là, la loi d'orientation des mobilités. Donc ça, on va le mettre en place de façon généralisée du coup dans ce cadre-là. Donc pour l'instant, c'est dans les écoles sur lesquelles on intervient, c'est une possibilité qui est offerte. Et puis sur la relation au PDU et Plume, alors du coup, dans l'organisation politique métropolitaine, hein, font partie du conseil métropolitain l'ensemble des 24 maires des communes. Donc ils ont tous voté ce plan de déplacement urbain. Donc déjà, ils sont impliqués dans leur mise en œuvre. Et en plus, du coup, à l'échelle de la métropole, on a aussi un PLU qui est métropolitain. Donc la traduction opérationnelle, elle est de fait faite dans ce cadre-là avec les maires, alors ce qui est un très gros travail, hein, de concertation et de mise en œuvre, puisqu'homogénéiser des règles, en tout cas à l'échelle de 24 communes, ce n'est pas forcément simple. Mais donc les débats ont bien eu lieu et c'est traduit dans ce cadre-là. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Campagnon, les enjeux, les critiques, les points favorables à vos projets et ensuite la question sur bike sharing. Je vous en prie. Donc, je vais répondre à la question du bike sharing parce que c'est plus facile. Donc, pendant l'hiver, janvier et février, on ferme le service de bike sharing à cause de la neige et de la température très basse. Mais pendant le printemps, l'été, donc
comme j'ai dit, on a beaucoup d'utilisateurs du système de bike sharing. En ce qui concerne l'enjeu de la mentalité, de la transformation de la mobilité qui est maintenant axée sur l'automobile vers une mobilité durable, ici on a un avantage de la population. Par exemple, la ville de Cluj est une ville jeune, donc les gens ils comprennent mieux l'avantage de la mobilité durable. On a aussi l'avantage de l'université, donc et aussi de la société civile. Donc on a une très forte société civile, des NGO très, très forts qui ont des programmes d'éducation et d'explication des avantages d'une ville verte ou de cette transformation vers la mobilité durable. Et je peux vous donner un exemple. On a eu un débat très important quand on a eu l'administration publique a voulu doubler le coût du parking au centre-ville, et les participants au débat ont dit c'est pas bon, c'est pas suffisant de doubler, il faut tripler le coût de parking au centre-ville. Donc c'est une mentalité qui nous aide, et à mon avis la ville de Cluj a le plus ambitieux programme de développement durable et d'orientation vers la mobilité durable de Roumanie. Et je pense que dans les années prochaines on va voir le succès de ce programme, et on va avoir à mon avis une vraie mobilité claire et durable dans la vie. Je voudrais vous remercier. Une question courte qui demande une réponse courte pour toutes les deux, qui est une question qui est venue par le chat. Dans ce contexte du COVID, est-ce que vous avez senti qu'il y a une baisse d'utilisation du transport public, et quelles sont les alternatives actives, donc non motorisées, que les deux villes les proposent? Monsieur Campano? Oui, on a senti une baisse pour le transport public, mais aussi pour le déplacement avec la voiture. Et l'alternative, c'est le vélo et aussi les déplacements piétons. Donc, nous, on n'a pas fermé le transport public. Et, depuis quelques mois, on a aussi un croissement de l'utilisation du transport public. Merci. Madame? Exactement la même chose. Pardon. C'est exactement la même chose. Hein. Du coup, je ne développerai pas plus, mais on a effectivement 30% à peu près, hein, de baisse de fréquentation dans les transports et de la circulation. Le vélo, lui, a repris 30% également. Après, il y a une baisse générale des déplacements liée au confinement et au télétravail. Mais on a aussi une petite amorce d'une reprise. On est maintenant à moins 20% sur les transports. Je vous remercie beaucoup. C'est une très bonne séance qui nous a ouvert, qui nous a créé le cadre général pour comprendre les actions publiques. Et ensuite, on peut entrer dans des actions spécifiques dans la deuxième partie de la séance. Je voudrais vous remercier. Domnul Ștefan Roșanu, am citit recent o postare a dânsului care sesiza că în vecinătatea unui parc public gol existau mașini parcate ilegal. Deci există asemenea practici, au existat în toată lumea, dar ceea ce dânsul a sesizat și profit să prezint aici este tocmai această lipsă de cultură, dacă vreți, a mobilității și poate o anumită inconsecvență a autorității în a stabili direcțiile. Nu cred că este subiectul pe care domnul Roșanu îl prezintă, doar voiam să sesizez spiritul dânsului și activitatea dânsului civică. Acum îl las să prezinte activitatea sa profesională. Vă mulțumesc. Domnule Roșanu, aveți cuvântul. Da. Bună ziua, bonjour à tous.
J'espère que vous pouvez m'entendre, oui. OK. L'application était un peu bloquée, ça, c'est raison. OK, je vais parler en français aussi. Je ne parle aussi bien que en comparaison avec mes prédécesseurs, mais j'espère que il est suffisant, suffisamment clair. Oui, il y a beaucoup de situations dans les centres-villes, et spéciales dans les villes très grandes où les participants dans le trafic préfèrent d'ignorer les lois et le respect pour les autres. Et à mon avis, cet type de comportement a un effet négatif aussi sur l'utilisation des transports publics. Oui, parce qu'en Roumanie, je vois presque tous les jours dans la ville où je perds pratiquement presque tout mon temps en Bucarest, participants en trafic, on considère que ils peuvent aller avec leur voiture où ils veulent, ils peuvent parquer les voitures près de leur destination, et alors le transport public n'offre pas la même attractivité qu'à propos de voitures personnelles. OK, mais comme Monsieur Sudito a dit, je suis passionné pour le transport public et le transport ferroviaire. Je considère que ce type de transport est, en tout le cas, le futur de développement des villes et de l'espace périurbain. Et cette conviction ne vient pas d'une passion, je ne sais pas comment dire, pas justifiée, mais aussi par les études que j'ai entreprises pendant les années de vie actif, et aussi dans les expériences personnelles quand j'étais dirigeant de l'un des opérateurs de transport public en Roumanie, je veux dire la compagnie des chemins de fer de Roumanie. Après des années où avec mes collègues, nous avons lutté pour développer le transport métropolitain en général et le transport métropolitain sur les chemins de fer. Maintenant, j'étais introduit au début de notre discussion, j'ai l'opportunité de travailler aussi avec le ministère des Transports de Roumanie, avec l'un des secrétaires d'État qui est responsable avec le développement de transport terrestre en Roumanie, et le transport ferroviaire métropolitain est l'un de notre sujet important. Une définition importante, parce que j'ai vu dans les années passées des experts de l'Europe de l'Ouest contrarier pour le terme métropolitain. Quand nous utilisons en Roumanie transport métropolitain, développement de métropolitain, nous avons
dans notre vision, un développement urbain, périurbain. Pas nécessairement des très grandes villes, plus de 10 millions, ou je ne sais pas, parce que vous savez aussi que les définitions sont changées de temps en temps. Mais on parle encore une fois d'un centre urbain et la périphérie qui commence à se développer en commune. Et parce que le système administratif de Roumanie est d'une fois, je peux dire, pas très moderne. Ça veut dire que, par exemple, les agents publics d'un centre urbain peut être consommé seulement pour des activités qui sont dans le centre, dans la zone administrative du centre urbain, et pour avoir des projets communs avec les petites villes ou les communes qui sont dans leur hinterland, il doit faire des associations entre les deux pouvoirs publics. Ok. Dans ce cas, le transport métropolitain est en train d'être développé en Roumanie. Il y a déjà 15 grandes villes et 3 moyennes qui ont organisé des associations que j'ai dit déjà. Pour l'instant, le transport est seulement routier et le transport à chemin de fer est seulement pour les systèmes de tramway. Maintenant, nous essayons, j'essaie de partager aussi une présentation. Je ne sais pas si vous... Oui, on la voit, vous pouvez la mettre sur plan écran. Știți rolul meu și de gardian al timpului, o să vă rog, vă mulțumesc. Oui, j'ai une introduction trop longue, mais la présentation, les idées sont plus concentrées. Alors, je voulais parler aujourd'hui de rôle de train métropolitain, parce que cette année, en Roumanie, nous avons fait des pas concrets vers l'introduction de ce type de transport, on peut dire similaire de RER de France. Ce type de activités part de du concept de ville compacte qui peut faire des économies dans la consommation d'énergie et évidemment dans la pollution chimique et phonique. Nous avons comme une vision que le transport ferroviaire est l'un des plus favorables à l'environnement. Ça c'est une définition de l'Encyclopédia Britannica à propos de transport public métropolitain et pourquoi il est très important. Et un autre input est lié de distances qui sont en général acceptables pour les passagers entre leur zone d'initié ou destination de transport et
une station pour prendre le transport public et en général 5 minutes à pied est acceptable et spécial dans les centres urbains. Bien sûr, dans les zones plus raréfiées, les 5 minutes peuvent devenir 10 ou 15 minutes. Ok. D'une autre fois, important pour nos partenaires de France, est important de savoir qu'en Roumanie, maintenant, toutes les grandes villes ont un plan de mobilité urbaine durable. À partir de 2014-2016, parce que ça, c'était l'horizon de temps quand ce type de plan a été rédigé, c'était la première génération de plans de mobilité. L'horizon était 2030 en général, et maintenant nous sommes dans un plein processus d'actualiser ces plans, soit les villes déjà ont commandé l'actualisation, soit ils sont en train d'initier le processus d'acquisition publique. De plus, à partir de cette année, le gouvernement a passé trois nouvelles lois, ordonnances d'urgence, qui ont créé l'environnement pour une collaboration entre les centres-villes et les chemins de fer, la compagnie des chemins de fer, pour préparer les projets et implémenter les investissements nécessaires pour organiser des services de transport de train métropolitain ou urbain. Maintenant, nous travaillons au ministère des Transports sur le second plan lié aux décentralisations de la gestion des services ferroviaires, parce que jusqu'à maintenant, tous les services sont gestionnés par le ministère avec une autorité dédiée à ce sujet. Et nous voudrons créer l'espace où les autorités locales peuvent aussi préparer et commander des contrats de services publics dans leur zone de compétence. C'est un sujet important pour le pays. Déjà, plus de 10 villes sont impliquées, actives, en préparer des projets liés au train métropolitain. Vous pouvez voir ici une simulation aussi de la population. Pas seulement dans le centre-ville, mais aussi dans une zone de capture de plus minus 30 km. Alors, non seulement les très grandes villes, mais aussi des villes moyennes comme Alba Iulia, Reșița, pensent à service ferroviaire. Et bien sûr, comme vous avez déjà entendu, Cluj-Napoca est très avancé avec ce type de service. À Bucarest, il y a en train d'être préparé un projet très ambitieux pour améliorer la qualité de l'infrastructure pour intégrer les chemins de fer avec le système urbain, ça veut dire le métro et les tramways. Vous pouvez voir, c'est en rouge des futures stations d'interchange qui vont être combinées avec des
projet de développement urbain ou régénération urbaine dépend des cas. Sibiu fait aussi des pas pour introduire ce type de transport et il y a une simulation pour une nouvelle station près du centre-ville. Ici, une autre simulation pour voir un concept de régénération urbaine lié au développement de transport métropolitain. Ici, c'est notre ville, Târgu Mureș, qui a commencé les premières évaluations en 2015 et maintenant ils sont en train de préparer les documents pour investissement. Alors, je vous remercie. Oui. Et j'aurai des questions pour vous, mais à la fin, après qu'on écoute les autres. C'était vraiment très intéressant. Et d'autre côté, ça donne des espoirs, M. Roșanu, d'avoir cette, votre présentation et les informations administratives et aussi techniques de l'intérieur. Je vous remercie vraiment. Merci. Je passe la parole à Mme Florence Giraud. Du CEREMA pour nous présenter les points de vue professionnels alliés à ce sujet. Je vous remercie. Madame, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran également. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. Oui, oui, c'est très bien. Voilà, je vais mettre en plein écran. Oui, c'est très bien. Même c'est déjà, c'est... Non, non, c'est bien. C'est bien bon, pour ah, bon, ok. Oui, oui, oui. D'accord, okay. On voyait très bien. Bon. Donc, déjà, merci. Je voudrais remercier les organisateurs de cet événement pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire d'échange franco-roumain sur le thème de la mobilité durable. Donc, comme m'a présenté Bogdan Suditu en introduction, donc je suis Florence Giraud. Je travaille au CEREMA. Le CEREMA, donc, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, c'est un établissement public pluridisciplinaire qui est sous la tutelle notamment du ministère en charge des transports. Donc on travaille à la fois pour les services de l'État, pour développer des doctrines, des méthodologies ou des guides de bonnes pratiques pour accompagner les évolutions du cadre réglementaire. Mais on travaille également directement au service des collectivités pour les accompagner dans le développement de leurs projets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais me focaliser vraiment sur le report modal de la voiture individuelle vers le transport collectif et je vais essayer de vous faire un petit aperçu des bonnes pratiques françaises finalement en la matière. Donc tout d'abord, je voudrais rappeler que les transports collectifs, bus, métro, tramway, ce sont les seuls systèmes finalement, des systèmes performants et indispensables pour proposer une alternative à la voiture individuelle et pour déplacer des flux importants d'usagers à l'échelle d'une métropole ou d'un territoire. Donc classiquement, pour favoriser le report modal donc de la voiture individuelle vers les transports collectifs, on a trois leviers. Le premier levier, c'est d'agir sur les systèmes de transports collectifs eux-mêmes pour les rendre plus performants. Je détaillerai tout à l'heure. Le deuxième levier, dont on a déjà parlé notamment dans les deux premières présentations, c'est d'agir sur la voiture et notamment pour mettre de la contrainte finalement sur la voiture, sur la place de la voiture dans la ville. Et le troisième levier, c'est d'agir sur la demande ou sur l'usager à travers des campagnes de communication, à travers ce qu'on appelle le management de la mobilité, donc ce qui fait écho à ce que disait M. Giustiniani en introduction, donc d'essayer de changer les comportements de mobilité, pour faire changer la perception des modes de transport par les usagers, finalement, qu'ils acceptent de prendre les transports collectifs ou d'autres modes que la voiture individuelle. Et ça regroupe également d'autres leviers, comme l'articulation plus généraux, comme l'articulation urbanisme-transport, qui reste un levier fondamental et indispensable pour la gestion de la mobilité urbaine, et dont, il me semble, vous avez déjà parlé au cours des premiers webinaires.
Donc rapidement, je voulais revenir sur la place de la voiture en ville et donc ce levier d'agir sur la voiture, même si ça a déjà été évoqué tout à l'heure. J'avais deux exemples à vous proposer et le premier exemple, c'est justement la ville de Nantes, dont vous avez donc déjà eu un bon aperçu tout à l'heure. Peut-être la spécificité en fait des deux exemples que je vais vous présenter par rapport à ce qu'a présenté la ville de Cluj, c'est que les deux réaménagements que je vais vous montrer, ils ont eu lieu en fait à la mise en service de lignes de transport collectif. Donc là, pour le cas de la ville de Nantes, on avait jusque dans les années 80, vous voyez, deux voies de circulation et trois voies de circulation, des voiries, des voies latérales également pour les voitures, donc un espace quasiment entièrement dédié à la voiture. Et c'est avec la mise en service du tramway dans les années 90, on a commencé à limiter la place de la voiture, enfin que la ville de Nantes a commencé à limiter la place de la voiture en créant tout un espace dédié entièrement au tramway et en élargissant en parallèle les trottoirs pour donner également de l'espace aux piétons. Et aujourd'hui, non seulement on a une plateforme entièrement dédiée pour les tramways, donc ce qui leur permet d'avoir une bonne vitesse commerciale, etc., de ne pas être gêné par la circulation en voiture, mais on a également des voies dédiées aux bus et des voies dédiées aux vélos, et toujours des trottoirs larges pour les piétons. Donc on a vraiment un réel partage de la voirie, un partage multimodal de la voirie, qui donne de la place à l'ensemble des modes alternatifs à la voiture, et notamment aux transports collectifs, qui peuvent circuler de manière performante sur des voies dédiées. Le deuxième exemple, c'est un exemple de la ville de Nice. C'est la place Masséna qui est également dans le centre-ville de Nice. Pendant de nombreuses années, en fait, cette place a été largement dédiée à la voiture puisqu'il y avait un axe structurant de circulation et le reste de la place était dédié à un parking de stationnement pour les voitures. Et c'est encore une fois avec la mise en service de la première ligne de tramway de la ville de Nice en 2007 que la place a été réaménagée. Et donc vous voyez ici la plateforme tramway, donc entièrement dédiée au tramway, qui n'est pas mélangée au flux de circulation voiture. Il subsiste toutefois des voies de circulation pour les voitures et le reste de la place est entièrement dédié aux piétons et aux modes, ce qu'on appelle les modes actifs, donc piétons, vélos, etc. Donc finalement, à travers ces deux exemples, on voit que le réaménagement de l'espace public et le partage de la voirie, il peut être réalisé par étapes. Dans tous les cas, il nécessite vraiment une forte volonté politique pour parvenir à ce réaménagement-là. Et il est souvent impulsé, en tout cas dans ces deux exemples-là, par la mise en place justement de lignes de transport collectif au niveau de service. Et en fait, on prend de la place à la voiture pour la donner de manière dédiée au transport collectif pour qu'il soit vraiment attractif. Ces réaménagements, ils peuvent avoir lieu à l'échelle donc d'une place ou d'un axe majeur, comme dans le cas de Nantes, mais également de manière moins ambitieuse et plus modeste à l'échelle d'une rue, par exemple. Ensuite, je voulais vous parler du deuxième levier, donc agir directement sur les transports collectifs, comment les rendre plus attractifs. On peut jouer en fait sur les trois composantes des systèmes de transport collectif pour améliorer leur niveau de service. Et ces trois composantes, ce sont le matériel roulant, d'une part, qu'on peut rendre plus capacitaire, plus confortable. Vous avez ici l'exemple d'un bus à haut niveau de service à Nîmes, qui est un bus biarticulé, donc particulièrement capacitaire. On peut travailler sur les infrastructures dédiées au transport collectif. Vous avez ici l'exemple du busway, qui a été présenté tout à l'heure par Nantes Métropole, donc avec une infrastructure dédiée qui lui permet de circuler sur une voirie qui lui est propre et donc d'avoir une bonne vitesse commerciale. Et enfin, on a tout ce qui concerne les modalités d'exploitation, qui sont le troisième levier sur lequel on peut jouer pour améliorer la performance des systèmes de transport collectif, puisque pour être performant, les transports collectifs doivent être non seulement capacitaires, mais bien sûr également avoir une bonne fréquence, une bonne amplitude horaire et une bonne régularité. Et vous avez ici sur cette image, un exemple de priorité au feu dans la ville de Dijon, priorité au feu pour les bus dans la ville de Dijon. Alors, je voulais vous présenter également deux petites innovations relatives justement à l'optimisation des transports collectifs et qui visent à favoriser leur attractivité.
Le premier exemple, c'est celui du transport à la demande optimisé. C'est un nouveau système qui commence à se développer ou en tout cas à être expérimenté en France. On appelle ça transport à la demande optimisé parce qu'il est associé à des applications, à une application d'optimisation des itinéraires. Donc, il fonctionne à la demande, c'est-à-dire sur réservation des usagers qui réservent via l'application. Et c'est un transport à la, donc c'est un transport qui vise à desservir des zones, non pas des zones à fort flux dans le centre-ville, mais plutôt des zones périphériques en rabattement vers des gares ou vers des zones d'activité. Donc, il est très flexible puisqu'il fonctionne à la demande. Mais la particularité de ce transport, contrairement au transport à la demande qui existait déjà depuis de très nombreuses années en France dans les zones rurales et qui fonctionnait par réservation, mais plutôt par téléphone, il fallait réserver 24 heures avant, etc. Ici, c'est un mode de transport, un système qui est beaucoup plus réactif puisqu'on peut réserver jusqu'à une demi-heure, voire moins, avant le passage du transport. Et il s'adresse non pas à une clientèle de personnes âgées comme ça pouvait être le cas dans le transport à la demande historique, si je peux dire, mais ici on s'adresse vraiment à une clientèle d'actifs, donc qui est une clientèle assez exigeante et qui a vraiment un besoin de mobilité et d'avoir une bonne qualité de service. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple d'une voie bus dynamique dans la ville de Lyon. Donc l'objectif, c'est de réserver en fait une voie pour les transports collectifs quand la circulation devient congestionnée, donc quand il y a un fort trafic automobile. Et plutôt que de mettre en place une infrastructure lourde avec une voie dédiée séparée de la chaussée, par exemple, on a ici donc une voie qui se matérialise par des petits plots lumineux que vous devez pouvoir voir à l'écran et qui est cette voie. On prévient en fait les usagers de l'existence de cette voie par des panneaux à messages variables. Donc vous avez un premier panneau en amont de la voie avec des petites flèches qui indiquent aux véhicules qui vont devoir se rabattre en fait vers les autres files. Et au début de la voie, vous avez un deuxième panneau qui montre le début de la voie bus, donc une voie réservée pour les bus et l'autre voie uniquement pour le trafic automobile. Donc en fait, ce type de voie dynamique de voies réservées aux bus, c'est une solution plus légère qu'une voie entièrement dédiée toute la journée pour les bus et qui permet une certaine flexibilité, donc qui s'adapte suivant le niveau de congestion, suivant les horaires. Donc typiquement, on la met en place uniquement pendant les heures de pointe où le trafic est fort. Et donc, c'est un type de solution qui pourrait se développer pour permettre de lever certains points durs dans la ville qui ne nécessitent pas forcément une infrastructure dédiée toute la journée. Enfin, un troisième point que je voulais échanger avec vous pour favoriser l'attractivité des transports collectifs, c'est la nécessité de connecter et de coordonner les lignes de transport collectif au sein d'un réseau. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été abordé dans la présentation de Nantes Métropole, le fait de créer un réseau de transport collectif hiérarchisé et structuré autour de lignes à haut niveau de service et qui viennent en connexion avec des lignes qui sont peut-être un peu moins performantes mais qui vont desservir des quartiers un peu plus périphériques. Et c'est ce qui permet en fait de diffuser le haut niveau de service des lignes principales, bus, métro, vers les quartiers périphériques. Mais non seulement il est important de connecter les lignes de transport collectif entre elles au sein du réseau de transport collectif, mais c'est également important de connecter et de coordonner les lignes de transport collectif au sein d'un système de mobilité intégré, et c'est encore une fois quelque chose qu'on a vu au cours des deux premières présentations, pour arriver à une certaine connexion, donc une intermodalité entre les transports collectifs et les autres modes alternatifs à la voiture, que sont les vélos, le covoiturage, l'autopartage, etc. Donc classiquement, pour faciliter l'intermodalité, il y a plusieurs leviers qui sont identifiés. C'est d'une part la coordination des services, donc à l'échelle du réseau, mais aussi en termes d'exploitation, donc c'est-à-dire d'un point de vue des temps de correspondance, d'avoir des horaires qui se complètent. Mais également, on a également trois leviers.
le levier de la biéthique interopérable, c'est-à-dire le fait d'avoir une biéthique unifiée, comme le montrait tout à l'heure Nantes Métropole, une seule biéthique à la fois pour le réseau de transport collectif ou pour le covoiturage ou l'autopartage, par exemple. Il y a la question de l'intégration tarifaire, le fait d'avoir un unique abonnement qui permet d'accéder à plusieurs services. Et il y a également tout ce qui concerne l'information multimodale, le fait d'avoir un seul accès à l'information pour l'ensemble des modes de transport. Et enfin, en termes d'infrastructure, tout ce qui concerne les pôles d'échange, ce qui a été évoqué dans la présentation précédente, donc des pôles d'échange qui sont des lieux d'infrastructure qui permettent de connecter efficacement les différents modes de transport pour faciliter le déplacement de bout en bout pour l'usager. Donc rapidement, je voulais juste vous montrer que par exemple en France, classiquement, là c'est l'exemple de la ville de Lyon, mais c'est évidemment le cas pour la ville de Nantes et pour la plupart des autres collectivités locales en France, on a une unique carte de transport qui permet d'accéder à l'ensemble des services de transport, tramway, métro, bus, les bus qu'on appelle à haut niveau de service, et la spécificité lyonnaise, ce sont les funiculaires, deux lignes qui existent dans cette ville. Et en fait, un élément clé qui permet de jouer justement sur l'intermodalité et sur la coordination des offres, c'est la question de la gouvernance. On a généralement en France une unique structure qui gère l'ensemble des transports collectifs. À Lyon, donc, c'est le Citral, donc ça dépend de chaque collectivité en France. Et donc, il y a une unique structure qui gère l'ensemble de ces modes de transport, ce qui permet de planifier de manière cohérente le développement des différents systèmes de transport collectif. Et en fait, au-delà des systèmes de transport collectif, les collectivités locales, qu'on appelle les autorités qui organisent la mobilité, c'est vraiment ce qu'a montré Nantes Métropole, elles ont à la fois la compétence sur les transports collectifs, mais également sur les autres modes de transport, vélo libre-service, autopartage, covoiturage, ce qui permet de proposer une offre cohérente et complémentaire à l'usage de la voiture, puisque finalement, pour réussir à favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs, on a besoin d'avoir une offre qui permette à l'usager d'aller depuis son origine jusqu'à sa destination sans de pouvoir se déplacer sans sa voiture, et donc potentiellement en prenant plusieurs modes de transport alternatifs à la voiture. Il me semble que cette question de la gouvernance, elle est clé pour pouvoir proposer une offre intégrée et cohérente. Donc, au-delà des questions d'organisation des services, les collectivités locales, elles sont également responsables de la planification des mobilités à travers les plans de déplacement de mobilité dont a parlé notre métropole et du financement de ces mobilités. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'ai essayé d'être relativement brève, même si j'ai peut-être un petit peu dépassé le temps. Et non, c'était si intéressant qu'on voudrait vous provoquer, mais à la fin d'avoir plus de réponses par rapport à vos activités. Je répète, je suis vraiment passionné de CEREMA et je suis vraiment très, très enchanté de toutes les choses que vous avez présentées qui sont vraiment très, très utiles pour les partenaires roumains et les gens qui sont impliqués dans les problèmes de gouvernance, planification, organisation du transport public. Je vous remercie beaucoup. J'ai des questions, mais à la fin, aussi pour M. Rechan comme pour vous. Je passe la parole à M. Descamps, le président de ADE Transport. Soyez le bienvenu. Et on voudrait d'abord nous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire ADE Transport en France. Ah, vous avez ADE, la parole, merci. Bonjour à tous et pardon d'intervenir à l'heure de l'apéritif chez vous. Donc j'imagine que les estomacs gargouillent un petit peu. ADE, ça veut dire Alain Descamps, c'est mes initiales. C'est parce que je suis comme vous, je suis un passionné. Et donc, quand j'ai créé le bureau d'études, je lui ai donné mon nom. Alors, je vais essayer de partager la présentation, mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver parce que c'est compliqué. Microsoft machin, on va écrire écran et est-ce que vous voyez? Pas encore. J'ai bien peur que... Alors, est-ce que je peux demander à Capucine Dupont de reprendre la main? Je vais me remettre... Ça passe.
Hop là, alors, comment est-ce que je fais ça? Pardon. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous continuez à me voir? Non, parce que là, vous ne m'avez plus sur l'écran. Oui, c'est bien maintenant, oui. On vous entend et on voit la présentation. D'accord. Bon, écoutez, c'est pas très grave si vous me voyez pas. Si on passe à la suivante, ça c'est juste bien sûr la page de garde, juste pour me présenter moi en deux mots. Donc vous avez toute ma vie qui est résumée sur le transparent suivant. Donc suivante, s'il vous plaît, Capucine. J'ai commencé au ministère de l'équipement, comme beaucoup de gens qui travaillent dans les transports, à construire des infrastructures de transport public. Et puis, rapidement, je suis devenu consultant. Je me suis spécialisé dans les études de trafic et dans la billettique multimodale. Puis, j'ai été pendant assez longtemps exploitant dans divers pays. Vous avez des photos de mes activités aux Pays-Bas et au Maroc. Et puis, j'ai créé, donc, après cette expérience un peu triple de consultants, de fonctionnaires et d'exploitants, ce bureau d'études ADE Transport. Si on passe à la suivante, on a travaillé dans vraiment beaucoup d'endroits la carte n'est pas tout à fait complète, mais c'était juste pour vous dire que, en jaune, vous avez les endroits où j'ai travaillé en tant que consultant, et puis en bleu, en tant qu'exploitant dans ma vie antérieure d'exploitant. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, et en passant au transparent suivant, en réalité, il faut voir la problématique du transport public comme déjà dépendant très lourdement de subventions publiques. Alors, de manière très variable, vous avez à gauche de l'écran la moyenne ce qu'on a coutume d'appeler le ratio R sur D, hein, c'est-à-dire les recettes qui sont générées par les tickets par rapport à l'ensemble des dépenses qui sont nécessitées par le réseau de transport. On est en moyenne à 30% et ça varie beaucoup. Alors les statistiques qui sont à droite de l'écran sont un petit peu anciennes. Elles montrent que c'est très variable selon les pays d'Europe, mais elles montrent que dans beaucoup de pays d'Europe, il y a une dépendance très forte aux finances publiques. Donc, premier point, forte dépendance aux finances publiques. Deuxième point, et sur le transparent suivant, le métier d'exploitant de transport public, c'est vraiment tout à la fois. C'est-à-dire que entre la maintenance et savoir réparer un moteur d'autobus, savoir organiser la tournée des conducteurs, savoir manager une équipe, savoir faire du marketing et attirer des passagers, faire de la politique parce qu'il y a un enjeu évidemment politique publique très fort, ou savoir apprendre à conduire tout simplement, mais c'est très important quand on fait de l'exploitation. C'est des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qu'il faut tous bien faire et qu'il faut tous faire de manière coordonnée. Alors si on passe au transparent suivant, ben, on pose finalement le problème qu'on va essayer de traiter très rapidement dans la présentation. Un enjeu très fort pour les finances publiques, une vraie difficulté technique, et comment on fait pour que tout ça soit optimal, et comment on fait pour que les finances publiques ne soient pas trop affectées, alors qu'on sait bien qu'elles sont fragiles. Je vais vous proposer deux séries de partage d'expériences ou d'exemples. Le premier, sur finalement des problèmes concrets auxquels on a été confrontés, juste pour illustrer un petit peu le type de difficultés auxquelles qu'on peut avoir à résoudre. Alors, si on passe à la suivante, très très vite, hein, pour vous raconter, c'est un peu des anecdotes en même temps, mais c'est des problématiques réelles qui nous ont été posées par des réseaux. Alors, à Ajaccio, on avait un problème, c'est que les bus étaient tout le temps accidentés. Et donc, la collectivité nous a interrogés en nous disant « Mais regardez comment fonctionne notre service de maintenance, parce que on pense qu'il n'est pas très performant, puisqu'on a des bus qui sont toujours accidentés. » En réalité, le service de maintenance fonctionnait très bien. Ce qui ne fonctionnait pas, c'était que les conducteurs étaient un petit peu livrés à eux-mêmes,
Et donc, ils avaient tendance à avoir beaucoup d'accidents, beaucoup plus d'accidents que la normale. Et donc, ils surchargeaient les services de maintenance qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Deuxième exemple, un petit peu dans la même veine, même si la coordination entre les métiers n'est pas du tout la même. À Amiens, un opérateur demande à la collectivité « j'ai plus de trafic, il me faut plus de bus ». Et la collectivité lui dit « oui, mais c'est bizarre parce que il y a 10 ans, vous aviez autant de trafic et vous aviez autant de bus que maintenant. Et donc, le trafic a baissé pour remonter. Pourquoi est-ce qu'on vous rachèterait des bus alors que vous en avez autant qu'il y a une dizaine d'années ?» Vérification faite, effectivement, il y avait certaines lignes qui avaient cru en passagers et donc il y avait besoin de plus de bus, mais d'autres qui avaient moins de passagers, qui avaient moins de fréquences et qui pouvaient être opérés avec moins de bus, sauf que les économies de bus qui étaient nécessaires à cet endroit-là n'avaient pas été faites, et donc l'exploitant se retrouvait à demander des bus qui n'étaient pas strictement nécessaires. Deuxième série d'exemples de raisonnements un peu rapides qui peuvent troubler la décision dans le domaine des transports publics, sur la diapo suivante, vous avez à gauche de l'écran un raisonnement fait par une entreprise de transport public qui dit à sa collectivité, eh bien, c'est bien simple, le prix au kilomètre de ma filiale, quand je lui sous-traite des services, est moins cher que le prix au kilomètre d'un concurrent. Et donc, je vous propose de sous-traiter massivement des services à ma propre filiale. Oui, mais on ne peut pas comparer des prix au kilomètre dans le transport public, parce que ça dépend des services. Il y a certains services dans des endroits, par exemple, où on ne roule pas vite du tout en centre-ville, dont le prix au kilomètre peut être très élevé, alors que des services interurbains ou un petit peu plus lointains de du centre-ville peuvent être très chers. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on doit comparer des coûts de services. Ce n'est pas avec des prix au kilomètre, c'est en comparant des coûts d'unité d'œuvre. Et vous avez à droite de l'écran la manière normale dont on doit comparer des coûts de service en utilisant la totalité des unités d'heure, les heures de conducteur, les véhicules qui sont utilisés, les kilomètres, bien sûr, avec les frais proportionnels qu'ils engendrent. Se garder de raisonnement trop rapide. Je passe vite parce qu'on pourrait en parler des heures, mais juste pour lister comme ça des points d'attention. Troisième exemple, sur la diapo suivante, merci. La question de la cohérence des calculs. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous commenter tous ces tableaux compliqués. Vous avez à gauche de l'écran le calcul des unités d'œuvre, précisément ce dont on vient de parler, c'est-à-dire combien de véhicules, combien d'heures de conduite, combien d'heures de repos, etc. Et puis, vous avez à droite de l'écran le cumul de ces unités d'œuvre en moyenne par agent. Et puis vous avez en bas de l'écran l'analyse sur un appel d'offres récent qui a eu lieu en Ile-de-France, des propositions qui ont été faites par des transporteurs. Et vous constatez, dans le petit tableau où il y a des écarts en pourcentage, vous constatez que quand on demande à un transporteur dans une offre qu'il fait très récemment à une grande collectivité française, quand on demande à un transporteur combien d'unités d'œuvre avec vous, selon la manière dont il le calcule, il fait des erreurs de calcul et dans un cas, les incohérences peuvent représenter 25% du montant des unités d'heure, ce qui est colossal. Et donc, il y a besoin d'une rigueur considérable qui n'est pas nécessairement toujours mise en œuvre, y compris par les plus grands opérateurs et les plus prestigieux. Quand on passe au stade suivant, alors juste un petit clin d'œil, on parle beaucoup de mobilité électrique. Et donc, on voit des bus très, très décorés avec des prises électriques pour montrer à quel point l'électrique est quelque chose d'important. Mais en réalité, alors j'ai mis un drapeau chinois à la fin parce que c'était juste pour appeler l'attention sur une étude qu'on avait faite en Chine, qui, comme vous le savez, a énormément développé la mobilité électrique. En réalité, il faut faire attention à la totalité des conséquences de l'introduction des bus électriques quand on décide de le faire, et notamment aux questions d'autonomie sur des grandes lignes qui sont longues, éventuellement avec des besoins de climatisation, donc qui vont consommer de l'énergie ou de chauffage, on peut se retrouver avec des bus qui ne peuvent pas rester en ligne toute la journée.
Donc, ça veut dire qu'on doit renvoyer les bus au dépôt en cours de service. Et ça, ça a des conséquences monstrueuses sur les unités d'heure, sur les coûts, sur la façon dont on doit organiser le service, sur la taille de la flotte. Et ce n'est pas nécessairement toujours pris en compte. Et lors de notre étude chinoise, on s'est rendu compte que ce n'était même pas du tout pris en compte et que donc les Chinois, assez logiquement, affectaient les nouveaux bus électriques qui leur arrivaient à leurs petites lignes. Et ça, c'était facile à faire. Mais pour les grandes lignes, ils étaient très embêtés parce qu'ils voyaient partir leurs bus diesel et ils ne savaient pas très bien comment ils allaient faire pour les remplacer à cause du fait que l'introduction de la mobilité électrique, ben, ça engendre un certain nombre de conséquences qu'il faut maîtriser. Alors, juste pour conclure, et en deuxième partie, puisque là, j'ai été un petit peu pessimiste, ou au moins un petit peu critique, sur les transparents suivants, la présentation de quelques bonnes pratiques dans divers domaines. D'abord, des bonnes pratiques managériales, l'importance de la formation, qui est essentiel, qui doit être mené tout au long de l'exercice du métier d'opérateur et qui a des conséquences vertueuses à la fois sur la maîtrise des consommations, sur la maîtrise des accidents, mais aussi, bien sûr, sur la qualité de la relation sociale, la motivation des conducteurs et d'une manière générale, le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, le suivi constant des temps de parcours, qui doivent être... C'est le chronomètre. Le suivi constant des temps de parcours qui doivent être analysés sur toutes les lignes, entre tous les arrêts, qui doivent donner lieu à une amélioration des graphiques et des horaires, et qui est un travail de très longue haleine, qui nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ingénierie, qui est très rarement fait. Et puis, bien sûr, le suivi de toutes les consommations, et notamment les consommations de fuel, c'est la troisième, ou d'électricité, le cas échéant, c'est la troisième illustration du slide avec un logiciel qui permet de faire ça, et qui là aussi doit être constant, doit donner lieu à beaucoup d'investissements de la part des entreprises, parce que cela permet d'améliorer grandement la performance des entreprises en question. Deuxième volet, la maintenance. Là, on est sur le slide suivant. Et donc, je vous ai mis des photos de l'atelier Porsche. L'atelier des moteurs de Porsche. Alors, ce n'est pas pour dire que la totalité des ateliers d'autobus devraient être comme celui-là, mais en fait, Porsche est organisé où à chaque fois qu'un ouvrier intervient sur un moteur ou sur une voiture, il a un petit carte. Alors, vous le voyez, c'est en blanc sur la première photo, en blanc juste derrière l'opérateur, qui est habillé en rouge, et sur la deuxième photo c'est le petit chariot bleu, et à l'intérieur de ce petit chariot bleu il a non seulement tous les outils mais également toutes les pièces, tous les plans, tout ce dont il a besoin pour réaliser son intervention. Ça paraît stupide, finalement on se dit bah oui, vous enfoncez une porte ouverte, quand on fait de la maintenance il faut avoir les bons outils et les bonnes pièces. Mais en réalité, combien de réseaux commencent à démonter un autobus et puis se rendent compte que l'outillage n'est pas suffisant, ou bien que la pièce de rechange doit être commandée alors qu'ils savent que c'est telle pièce qui doit être utilisée. Et donc, tout ça pour dire que la bonne maintenance est une maintenance qui est à la fois une maintenance de prévention et d'anticipation, la maintenance préventive, c'est ce qu'on voit sur le petit graphique qui est en bas à droite du slide, mais aussi c'est une maintenance où on est organisé et ça fait très souvent défaut. Dernier point sur la maintenance, les grands relevages, vous avez une photo d'un bus qui a été réhabilité. Très souvent on pourrait et on devrait réhabiliter des autobus pour leur donner une plus grande durée de vie, et cela permettrait de réaliser aussi de nombreuses économies. Puis deux derniers slides pour conclure, je vous vois réagir, merci. Très très vite. Oui, merci. Donc juste des bonnes pratiques pour la lutte contre la fraude, je ne vais pas les développer, mais il y a également énormément de choses à partager sur la bonne manière de faire en sorte que la lutte contre la fraude soit efficace. Je n'en dis pas plus pour tenir le temps. Et sur le dernier slide, avant la conclusion, les bonnes pratiques sur l'optimisation des moyens de production. En réalité, on voit, alors je ne vais pas vous commenter non plus ce qu'il y a sur le transparent, mais simplement pour dire que
En réalité, l'analyse des graphiques, l'analyse de la production permet de gagner des unités d'œuvre, et c'est une analyse qui doit être menée en permanence, et on a des exemples constants de réseaux qui sont pourtant bien gérés ou qui ont des performances globales qui sont assez bonnes et dans lesquelles on est capable d'économiser beaucoup d'autobus, beaucoup de conducteurs, beaucoup de temps, beaucoup de gasoil, parce qu'on regroupe des courses, on les organise différemment, on utilise le fait que certains sous-traitants fonctionnent une journée pendant que d'autres ne fonctionnent pas et réciproquement pour optimiser les flottes. Et donc, on a un potentiel d'optimisation qui est important. Je passe à la conclusion et au dernier slide et je me tairai définitivement. Évidemment, le transport public, même quand le transport public est soumis à la concurrence, ce qui arrive, pas toujours, mais ce qui arrive, en fait, ce n'est pas une vraie concurrence, parce que quand vous allez sur un marché pour acheter des oranges, c'est en permanence que les deux marchands d'oranges affichent leur prix et font varier leur prix en fonction de la demande. Ici, au mieux, dans le transport public, vous avez une mise en concurrence tous les 5 ou 6 ans. Donc, on a une mise en concurrence qui est très faible. On a un degré de subvention qui peut être considérable. Et avec tout ça, ben c'est d'autant plus important d'être très attentif à la performance d'exploitation, parce que la main invisible qu'on peut espérer dans beaucoup d'entreprises n'existe pas nécessairement. Et donc, il est nécessaire vraiment d'être vigilant. C'est un petit peu, enfin c'est même carrément ce qu'on essaye de développer à ADE Transport, et on pense que c'est une condition essentielle du développement pérenne des transports publics. Ça voilà, beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup et vous, j'ai une question préparée pour vous, mais tout de suite. On voudrait remercier aux trois intervenants et maintenant c'est le moment des questions, certains venus du public, certains qui ont été relevés par vos présentations. Question pour Madame Giraud, qui est arrivée par chat envoyée par un des participants. Suite à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles adoptée en 2014, quelles ont été les mesures, les instruments qui ont été pris au niveau national et local pour favoriser le passage de l'autorité organisatrice des transports urbains locales aux autorités d'organisation de la mobilité? Donc, comment ça s'est passé dans ces champs? Pour M. Rochean, aux questions, s'il vous plaît, quel est le terme de l'implémentation de tous les projets dont vous avez mentionné? Et quels sont les possibles pièges, éléments négatifs qui peuvent empiéter sur l'implémentation des projets? Peut-être les lois, peut-être les collectivités territoriales. Et ensuite, pour M. Deschamps, dernière question. J'espère que ce sont des courtes questions qui demandent de courtes réponses. Pour M. Deschamps, Vous m'avez cerné. Oui, est-ce que vous pensez que la meilleure gestion des transports publics, c'est une gestion par les collectivités territoriales ou concession des services vers les entreprises privées pour avoir des efficacités, prix, qualité pour les usagers, mais aussi pour les collectivités? Madame Giraud, vous avez la parole. Merci. Alors, en effet, la loi de modernisation de l'action publique a acté l'évolution des autorités organisatrices des transports urbains vers les autorités organisatrices de la mobilité. En fait, c'est un transfert qui est automatique, si je peux dire, enfin, une évolution qui est automatique, c'est-à-dire toutes les anciennes autorités organisatrices des transports urbains sont devenues autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire qu'elles ont vu leurs compétences s'élargir. Donc, ce n'est pas vraiment un choix, il n'y a pas eu de choix de la part des collectivités locales, c'est quelque chose qui s'est imposé à elles. Et donc, pour accompagner cette évolution, il y a par exemple, en fait, Alain Descamps a parlé du financement des transports. Il faut savoir qu'en France, les transports urbains sont largement financés par ce qu'on appelait le versement transport, qui est donc une participation, une contribution des entreprises au financement des transports. Donc, qui participent en fonction de la masse salariale des entreprises, donc elles financent les transports urbains.
Et donc, ce versement transport, il est devenu versement mobilité, c'est-à-dire qu'il peut non seulement financer les transports urbains, mais les collectivités locales peuvent également utiliser cette source financière pour financer les autres services de mobilité, donc par exemple les services de covoiturage ou d'autopartage qu'elles choisissent de mettre en place sur leur territoire. Après, c'est vrai que le CEREMA a également accompagné, évidemment, dans le cadre de ces missions de services publics, le passage d'autorités organisatrices des transports urbains vers les autorités organisatrices de la mobilité, notamment à travers des partenariats sur le développement de services de covoiturage, d'autopartage, etc., dans les collectivités locales. Donc pour faire des retours d'expérience, en fait, de services mis en œuvre et pour aider finalement au développement de nouveaux services dans d'autres territoires. Merci beaucoup. Domnule Roșanu, care sunt piedicile și care sunt termenele la care credeți că vom avea proiectele implementate? Ok. Je crois que les premiers services métropolitains sera en approximatif 2 années maximum. Ok, il sera des services, on peut dire, intermédiaires parce que l'infrastructure ne sera pas en place. Pour l'infrastructure, je crois que de minimum 5 à 7 années sera nécessaire pour développer les premières infrastructures proprement dites pour le transport local ferroviaire. Oui. Cum au primit autoritățile locale din jurul marilor orașe aceste proiecte? Comme j'ai dit dans ma présentation, les grandes villes sont très actives. Ils ont commencé de préparer les documents techniques, les études de faisabilité. Pour l'instant, nous sommes au niveau des études de faisabilité. Alors, en approximative, une année et demie, 2 années, on peut espérer pour les projets techniques. Oui, parce que comme partout en Europe, il y a des enjeux liés aux protections de l'environnement, des cours des eaux dans les grandes villes. Oui. Alors, et la protection de l'habitat et du patrimoine culturel. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a des espoirs et on voudrait vous tenir au courant et vous nous tenir au courant pour savoir exactement où on est pour dans les années à venir. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Descamps. Oui, alors je vais répondre très très de manière très rapide à votre question. Mais je vais faire une réponse qu'on appelle en français une réponse de Normand, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne solution. Et il n'y a pas de solution préférable. D'expérience, j'ai vraiment rencontré à peu près toutes les situations possibles dans ma carrière et j'ai rencontré des opérateurs privés qui donnaient entière satisfaction à leur collectivité, des opérateurs privés qui rendaient leur collectivité folle de rage, des sociétés publiques qui n'étaient pas performantes, des sociétés publiques qui étaient extrêmement performantes. Il n'y a pas de modèle type ou il n'y a pas de modèle souhaitable. Il est certain que la qualité du management joue un rôle essentiel, mais comme je l'ai dit dans ma présentation, il faudrait vraiment avoir des supermen pour diriger des réseaux de transport parce qu'il faut qu'ils aient une gamme de compétences qui est très très large et en général, ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas humain de savoir à la fois le détail de la réparation d'un bus et le management et ceci et cela. Et donc, il est rare que les opérateurs soient au maximum de leur performance et il y a toujours des efforts, il y a toujours des domaines sur lesquels on peut améliorer les choses. Je vous remercie beaucoup. Je passe en roumain maintenant. Vă mulțumesc tare mult pentru acest webinar. A fost foarte bun, foarte dens, cu foarte multe idei.
cu o perspectivă foarte diversă și româno-franceză, dar și din perspectiva autorități publice, componentă cercetare, componentă finanțare, educare. Cuvintele pe cheie pe care eu le-am notat, ideile cheie care marchează domeniul și care au fost puse astăzi sunt concertare între serviciile publice și colectivitățile teritoriale și autoritățile publice, cum se spune în românește, educație, participare publică și crearea unei culturi a dialogului, măsuri complementare în așa fel încât să acționăm asupra transportului public, asupra mașinilor individuale, dar și asupra cererii a celui ce folosește transportul public, planificare urbană, metropolitană, în corelare cu componentele și planurile de mobilitate și oferirea de transport, de alternative de transport public pentru locuitori, experimentare și difuzare de bune practici în materie de transport public, reducerea spațiului pentru mașini din cadrul străzilor, din profilul străzilor și cedarea acestui spațiu către transport public, transport, autobuze, tramvaie și lărgirea trotuarelor, trecere către spații destinate bicicletelor, transport intermodal și trenuri urbane, zone care pot să devină și aceste puncte intermodale, aceste hub-uri pot să devină centre de dezvoltare și de regenerare urbană, guvernanță unică, o structură care să favorizeze planificarea strategică în așa fel încât să avem să existe rezultate și o abordare coerentă și integrată, foarte multe mize financiare pentru autoritățile publice și foarte mulți actori și meserii al transportului care fac ca nevoile și înțelegerea domeniului să facă foarte, foarte rafinat. Monsieur Dame, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'était vraiment un échange très, très, très riche. C'était un honneur pour moi d'être invité pour être le modérateur de quatre webinaires. Je voudrais remercier aussi à Madame Mihaela Negulescu, professeure à l'Université d'architecture Ion Mincu, qui a été aussi participante et organisatrice de cette webinaire. Je voudrais remercier à Monsieur Joseph Giustiniani pour son implication dans l'organisation, à Madame Olympia Buhai, Capucine Dupont, qui sont derrière de toute l'organisation et d'autres techniciens qui on ne le voit pas, mais qui ont fait possible cet échange très, très riche. Et je suis très enchanté. Je voudrais remercier beaucoup à Madame Christina Hagueu, Claudia Davidson-Novosiski, qui nous ont aidé à nous comprendre, donc les dames qui ont assuré la traduction d'une très haute qualité, on voudrait remercier. Je voudrais remercier aussi aux amis français qui participent au développement des relations professionnelles dans le domaine culture, gouvernance, université, Monsieur Hervé Boigium, Monsieur Frédéric Beaumont et beaucoup d'autres qui vous connaissez. Et encore, je voudrais remercier à tout le monde pour la participation, car je pense qu'on est après cette séance, on est encore plus riche, on a des idées, on voit plus clair les bonnes choses qui se passent chez nous, pas seulement les mauvaises choses. Et je pense que l'optimisme, c'est la première clé pour une nouvelle approche sur le transport, sur la vie urbaine, etc. Dans deux jours, c'est la Journée nationale de Roumanie. Donc, 1er décembre, c'est le jour national. Et maintenant, je m'adresse aux amis français pour vous dire encore merci, car grâce à la France, on a un pays de telle forme. Et je voudrais mentionner les noms des deux Français qui sont dans mon cœur. Je parle du général Berthelot, le premier gouverneur ensuite du Strasbourg, d'Alsace, et aussi mon géographe favori, Emmanuel de Marton, qui nous a aidés à avoir scientifiquement la Transylvanie et le Banat. Monsieur, dame, c'était vraiment un grand honneur. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne continuation. À très bientôt pour la poursuite de ces échanges et surtout, bonne fête nationale avec quelques jours d'avance et à tous nos amis roumains. Merci. À bientôt.